Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette réunion ordinaire du conseil municipal de la ville d'Edmundston en ce mardi 21 juin. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, le 21 juin, étant la Journée nationale des peuples autochtones. Alors, avant de débuter la réunion, j'inviterai la conseillère Diane Bélanger-Nadeau à faire la lecture de la réflexion. Merci, Monsieur le maire. Que cette réunion soit guidée par la sagesse, l'honneur et le respect, et que les décisions qui y sont prises soient empreintes du plus grand souci envers le bien commun et les besoins et aspirations de l'ensemble de la communauté. May wisdom, honor and respect guide this meeting and may the decisions be taken for the greater good of all the citizens and the needs and aspirations of the entire community. Merci beaucoup. Alors, comme à chaque réunion, on fait la reconnaissance des étoiles communautaires. Et pour le mois de juin, la reconnaissance du conseil municipal va à la troupe du studio Zénith. Donc, Isabelle Dionne, la directrice, ainsi que les membres de la troupe de danse Zéos. Alors, le conseil souhaite reconnaître ce soir la discipline, la progression constante et l'accomplissement des danseurs du studio Zénith, membres aussi de la troupe Zéos, qui se sont démarqués lors de la compétition Hit the Floor à Lévis en mai dernier. Il s'agit de la plus grande compétition de danse au Canada qui rassemble des danseurs de haut calibre. Durant cette compétition qui contient environ 1200 chorégraphies, environ 95 écoles de danse et approximativement 4000 danseurs, incluant ceux de la troupe Zéos, composée de 23 danseurs, dont 14 de la troupe de danse Chaos de Dance Moncton et 9 du studio Zénith d'Edmundston. Alors, ils ont obtenu le plus haut pointage de la compétition. Notons que le studio Zénith et Danse Chaos Dance participent à cette compétition depuis près de 10 ans. Ils ont terminé au troisième rang parmi les coups de cœur des juges, du jamais vu, pour une troupe du Nouveau-Brunswick. La troupe Zéos a aussi terminé au troisième rang du Showcase All-Star. Une première pour une troupe de danse de la province et, naturellement, un honneur pour notre ville. Ces exploits démontrent le fruit de l'excellent travail de collaboration qui existe entre les danseurs de Chaos Dance et Studio Zénith, ainsi que la persévérance des danseurs. Alors, le conseil municipal tient à féliciter Isabelle Dionne ainsi que toute la troupe et les membres du Studio Zénith en soulignant leurs efforts et leurs talents. Bravo pour cet exploit extraordinaire. La ville d'Edmundston est très fière de vous. Je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Alors, nous débutons la réunion, il est 19h02, j'accepterai à ce moment ici une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption, M. le maire. Conseiller McGuire, quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Morneau, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, adopté. Est-ce qu'il y a une divulgation d'intérêt pour la réunion de ce soir? Je n'en vois aucune. On passe au point 4, qui est l'adoption des procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022, donc qui était la dernière réunion ordinaire publique que nous avons eue. J'accepterai une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Conseillère Landry-Nadeau, quelqu'un pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Conseiller Desjardins, est-ce qu'il y aurait des questions sur le procès-verbal? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Je compte. Adopté. Le point 5, c'est un changement à des arrêtés municipaux, donc au point A, le 33R2021, trait d'union 01. C'est une modification de zonage pour la partie de la rue Jolene. Je vais demander à M. Michaud d'introduire ce dossier. Oui, merci M. le maire, très bien. Moi, c'est le dossier de rezonage d'une parcelle dans la rue Jolene que le conseil municipal a entamé le mois dernier. Les avis ont été publiés, les avis ont été postés aux propriétés avoisinantes. On a une recommandation, qui est une lettre suivant une réunion du comité consultatif en urbanisme, qui recommande au conseil municipal de procéder avec le changement de l'arrêté de zonage. Par écrit, puis dans nos bureaux, on n'a reçu aucun commentaire des citoyens. Monsieur le maire, c'est le temps de demander s'il y a des gens dans la salle qui sont ici pour les commentaires au zonage. S'il y a des commentaires à faire en lien avec le changement de zonage, 33R2021, trait d'union 01 pour une partie de la rue Saint-Onge, je vais vous inviter à prendre le micro. Rue Jolene, excusez. Il n'y en a pas, donc on va aller à la prochaine partie qui est la deuxième et troisième lecture par titre. Madame Dubé, je vous laisse le micro. Merci, Monsieur le maire. Arrêté municipal numéro 33R 2021-01, arrêté modifiant l'arrêté de zonage
Arrêté de zonage, annexe A-01, 33R-2021-01, juin 2022. C'était la deuxième lecture par titre. Arrêté municipal numéro 33R-2021-01, arrêté modifiant l'arrêté de zonage d'Edmundston. Arrêté de zonage, annexe A-01, 33R-2021-01, juin 2022. C'était la deuxième lecture par titre. La troisième lecture par titre. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai une proposition pour adopter le changement. Je propose, Monsieur le maire. Vous pouvez y aller. Je propose que l'arrêté municipal numéro 33R-2021-01, intitulé « Arrêté modifiant l'arrêté de zonage d'Edmundston » soit adopté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Conseiller Mondeneau, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Seconde. Adopté. Au point 6, dans les autres dossiers municipaux, on va d'abord avec des dossiers de dotation au niveau de la ressource humaine. Donc, M. Michaud, je vous laisse d'abord parler au niveau du développement, coordonnateur ou coordonnatrice à l'événementiel. Merci, M. le maire, membre du conseil. Juste à titre de rappel, l'hiver dernier, le conseil municipal a accepté une modification à la structure du service de développement pour incorporer à travers du service de développement une ressource dédiée spécifiquement au développement des événements à Edmundston. Depuis, un concours a été lancé pour pouvoir le poste de coordinateur, coordinatrice à l'événementiel pour le service de développement. 7 candidats ont signifié leur intérêt au poste. 3 possédaient les exigences minimales requises et ces 3 personnes ont été invitées de poursuivre le reste du processus qui comprenait une entrevue, un test écrit puis un profil psychométrique. Les procédures de la politique de dotation en personnel ont été respectées et le comité de sélection recommande au conseil municipal la candidature de Mme Marie-Claude Ménard pour le poste de coordonnatrice, à l'événementiel. Merci beaucoup. Donc, j'accepterai une proposition. J'aimerais proposer, M. le maire. Conseiller Desjardins, allez-y. Je propose que Mme Marie-Claude Ménard soit embauchée au poste cadre permanent de coordonnatrice de l'événementiel au service des développements de la municipalité d'Edmundston. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller Nadeau, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Second. Adopté. Madame Ménard, bienvenue auprès de la grande famille de la ville d'Edmundston. Le deuxième dossier au niveau des ressources humaines, cette fois-ci, c'est l'embauche de constables et patrouilleurs-patrouilleuses. Donc, M. Michaud, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Ici, membre du conseil, on travaille avec la même structure du service de la force policière, mais il y a eu des mouvements dans les derniers mois suite à des déplacements à l'interne dans l'organisation. Il y a eu des départs à la retraite, mais aussi des postes qui ont été comblés à l'interne, qui a créé des vacances au poste de constable-patrouilleur. Un concours a été conduit dernièrement pour pourvoir au moins 4 postes de constable-patrouilleur-patrouilleuse, 13 candidats ont signifié leur intérêt. 9 de ces candidats-là possédaient les exigences minimales de base et ont été invités de poursuivre le reste du processus qui comprenait une entrevue et un profil psychométrique. La politique de dotation et les modalités de la convention collective ont été respectées. Le comité de sélection recommande au conseil municipal les candidatures de Denis Bourgoin, Amélie Charon-Lescaut, Julien-Philippe Bourque, et Vincent Grondin. Le comité recommande également au conseil municipal de maintenir le 5e candidat qui a reçu le 5e meilleur score dans une banque de candidats, une banque de rappel, jusqu'à la fin de l'année 2022. Merci, M. Michaud. Donc, j'accepterai une proposition. Conseiller McGuire, vous pouvez y aller. Merci, M. le maire. Donc, je propose que Mme Amélie Charon-Lescaut et M. Denis Bourgoin, Jean-Philippe Bourque et Vincent Grondin soient nommés à des postes permanents de constable-patrouilleur et constable-patrouilleuse pour le service de la force policière de la municipalité d'Edmundston, sous le regroupement syndical de l'Association des policiers et policières et des répartiteurs et répartitrices d'Edmundston, le APPRRE. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Power, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Alors, ce soir, on a M. Denis Bourgoin et aussi Mme Amélie Lescaut qui est présente. Alors, félicitations. Applaudissements.
Le prochain point, cette fois-ci, c'est la rubrique développement. On a quelques dossiers de lieux inesthétiques et dangereux. D'abord, le premier, qui est le 8 avenue Ordonnance. Monsieur Michaud. Merci, Monsieur le maire. Comme qu'on voit à l'occasion au conseil municipal, des démarches ont été entreprises envers des propriétaires dont les biens sont rendus à un état dangereux en vertu de les modalités de l'arrêté municipal et de la loi sur la gouvernance locale. Des procédures sont entreprises depuis déjà quelque temps. On vous apporte deux recommandations ce soir pour passer à l'autre étape d'intervention, c'est-à-dire que le conseil municipal passe des résolutions pour intervenir physiquement sur le lieu de deux propriétés. Une sur la rue Ordonnance, dans laquelle la maison a été détruite par un feu quelques mois passés déjà, et puis le site n'a pas été ramassé, nettoyé. Et une deuxième maison à 1091, une deuxième propriété, pardon, à 1091 rue Saint-François, dans le secteur de Verrette, dans laquelle il y a eu la coupe de bois qui a été renversée sur l'emprise de la rue, sur la propriété voisine, mais en allant faire l'inspection de la propriété, il y a aussi des lieux dangereux, des bâtiments qui sont rendus à un état de désuétude avancée. Donc, on recommande au conseil municipal d'entreprendre des procédures pour ces deux propriétés-là pour passer à la prochaine étape de la remédiation. Merci, M. Michaud. Donc, d'abord, on a une première proposition, donc celui pour le 8 avenue Ordonnance. J'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Conseiller Morneau. Alors, je propose que le conseil municipal autorise l'inspecteur en bâtiment et employé responsable de l'application des arrêtés relatifs aux lieux dangereux et inesthétiques, Peter Michaud, à entreprendre les procédures de démolition et de nettoyage de la propriété située au 8 avenue Ordonnance à Edmundston, Nouveau-Brunswick, NID 35128776, en vertu des dispositions de la loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick et de l'arrêté numéro 9R2010 concernant les lieux dangereux ou inesthétique de la municipalité d'Edmundston. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Conseillère Bélanger-Nadeau, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Et le deuxième, cette fois-ci, pour le 1091 rue Saint-François. Conseillère Power, il faut y aller. Je propose que le conseil municipal autorise l'inspecteur en bâtiment et employé responsable de l'application des arrêtés relatifs aux lieux dangereux et inesthétiques, Peter Michaud, à entreprendre les procédures de démolition et de nettoyage de la propriété située au 1091 rue Saint-François, secteur Verrette, à Edmundston, Nouveau-Brunswick, NID 35148246, en vertu des dispositions de la loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick et de l'arrêté numéro 9R2010 concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité d'Edmundston. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseillère Landry-Nadeau, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Ceux contre? Adopté. Dans la rubrique législative, d'abord, on a un dossier sur la toponymie, un nom pour la scène de la place de l'Hôtel de Ville. M. Michaud, je vous laisse expliquer ce dossier. Merci, M. le maire. Puis, le dévoilement du nom a déjà été fait. C'est une question procédurale. Oui, exactement. Vendredi dernier au Festival de jazz, mais c'est une question procédurale pour que le conseil endosse en bonne et due forme le changement de nom. Le comité de toponymie municipal a reçu une demande d'un groupe de personnes qui représenteront entre autres le Festival de jazz et blues, de nommer la scène de la place Hôtel de Ville en l'honneur de M. Gilles Guéret, qui était le fondateur du Festival de jazz. Le comité de toponymie a évalué la demande de changement de nom selon la politique et recommande au conseil municipal de nommer effectivement la scène au nom de la scène Gilles Guéret. Le Festival de jazz a profité vendredi dernier de faire l'annonce, mais de façon procédurale, le conseil municipal doit l'adopter par résolution du conseil municipal. Merci. J'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Conseillère Landry-Nadeau, allez-y. Je propose que la scène de la place Hôtel de Ville soit nommée scène Gilles Guéret et que le personnel se charge de l'affichage. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Conseiller Morneau, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Alors, la scène porte officiellement le nom de la scène de M. Gilles Guéret. Merci. Le prochain point, c'est la nomination du ou de la maire suppléante, M. Michaud. Une
une question selon la réalité procédurale, Monsieur le maire, qui est adoptée en vertu de la loi sur la gouvernance locale. Le conseil municipal doit nommer à chaque année un maire suppléant, et puis pour un mandat d'une année. Le mandat peut être extensionné, mais il faut que le conseil municipal se prononce à chaque année sur la désignation d'un maire ou d'une maire suppléante. Donc, c'est au conseil municipal de passer la résolution pour désigner le maire pour la prochaine année. Le maire suppléant, pardon, pour la prochaine année. Alors, j'accepterai une proposition. J'aimerais faire une proposition, M. le maire. Conseiller Desjardins, allez-y. Je propose que, conformément à l'article 4 de l'arrêté procédural du conseil municipal, numéro 1R2020, la conseillère Denise Landry-Nadeau soit élue maire suppléante d'Edmundston pour un mandat d'une durée d'une année. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, Monsieur le maire. Conseillère Bélanger-Nadeau, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je devrais demander, est-ce que la conseillère accepte? Non, c'est correct. Alors, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, adopté. Félicitations, conseillère Landry-Nadeau. Je tiens aussi à remercier le conseiller McGuire, qui était le maire suppléant durant la dernière année. Ça a été toute qu'une année de transition, mais bon, ça a bien été. Alors, merci beaucoup. Le dernier point, puis c'est le dernier point, mais c'est un des points les plus importants. Donc, ce soir, on fait la présentation en bref, si vous voulez, de la planification stratégique. Alors, M. Michaud, je vous laisse présenter la planification stratégique de 2022 jusqu'à 2026. Merci, M. le maire, puis membre du conseil. L'adoption d'un plan stratégique pour chaque conseil municipal, c'est une étape charnière pour donner l'orientation que le conseil municipal veut donner, pas juste à l'organisation municipale, mais aussi à toute la communauté pour les années à venir. C'est déterminant dans le mandat de chacun des conseils, puis c'est important qu'on passe à travers cette étape ici parce que c'est vraiment un moment important dans le mandat de chacun des membres du conseil. Il y a des temps où ce que ça s'overlap, ça se dépasse un petit peu. Vous allez voir, j'ai pas une très, très grande présentation, mais je pense que c'est important de souligner comment important que c'est l'adoption d'un plan stratégique avec des orientations vraiment fixes sur le futur. Parce que c'est le moment de donner à l'organisation, mais à la communauté, une projection vers l'avenir. Donc, je voulais commencer avec ça pour dire que c'est vraiment un moment important pour chaque conseil municipal d'adopter son plan stratégique, mais qui n'est pas juste à lui, il est à toute une communauté. Un plan stratégique, c'est important pour un conseil municipal, mais c'est aussi important pour le conseil de toute organisation. Que ça soit un conseil d'administration d'une entreprise privée, que ça soit une organisation sans but lucratif, c'est on décrit ça comme des grandes orientations, mais ça aide à projeter l'organisation dans le futur aussi, mais c'est aussi déterminant pour chaque organisation qui décide d'investir du temps pour s'en doter d'une. Parce que c'est un moment de réflexion qui est important, parce que c'est le temps de réfléchir sur qui on est comme organisation, puis comment on se projette dans le futur. Puis pour un conseil municipal, bien, qui représente des citoyens, qui représente une communauté, comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste un reflet sur l'organisation, c'est vraiment un reflet sur une communauté tout entière, c'est une direction dans laquelle on veut qu'une communauté s'enligne. Le plan stratégique à Edmundston, depuis 1998, a beaucoup évolué. Le conseil municipal va adopter la sixième version du plan stratégique, d'un plan stratégique datant du temps du regroupement de 1998. Bien que du temps s'est passé depuis 1998, puis bien que des années se sont passées, les gros morceaux de la planification stratégique tournent toujours autour du fait que la municipalité, le conseil municipal, veut toujours faire d'Edmundston une ville dans laquelle les gens sont bien, où ce que la qualité de vie elle est là, où ce que les gens se sentent bien dans leur communauté, dans leur maison, dans leur vie de tous les jours. À titre d'exemple, par exemple, comment ça a évolué depuis 1998, même si ça ne fait pas 100 ans de ça, mais en 1998, la vision du premier plan stratégique de la municipalité, suivant le regroupement, c'était à faire d'Edmundston une ville. Ça, c'était issu d'un regroupement de 4 communautés, de 2 DSL qui se sont incorporés ensemble, mais ça l'a beaucoup changé. Mais si on regarde, par exemple, comment ça l'a changé, ça l'a toujours changé en fonction du plan que le conseil municipal s'est donné à ce moment-là. Puis,
C'est un peu nostalgique là, de parler qu'on faisait d'Edmonton une ville avec une fusion, mais on s'en va vers un petit peu la même organisation avec la réforme sur la gouvernance locale. Il va y avoir des changements dans ce sens-là parce qu'à partir du 1er janvier 2023, ça va être une nouvelle entité qui va exister, puis il va falloir faire d'Edmonton une ville encore une autre fois. Donc, il y a des éléments du prochain plan stratégique que le conseil municipal va adopter, va dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, on vient recommander au conseil municipal d'adopter les grands éléments du plan stratégique 2022-2026. On parle de la mission de l'organisation, on parle de la vision, on parle de les valeurs, puis des objectifs stratégiques. Je ne veux pas être tellement théorique, là, mais la mission d'une organisation, c'est sa raison d'être. C'est le pourquoi qu'une organisation existe. Puis, comme je vous dis, je ne veux pas être tellement théorique, mais une ville, une municipalité, ça existe pour s'offrir des services à ses citoyens qui appartiennent à la ville. L'ensemble d'une ville, ça appartient à ses citoyens qui la forment. Ce sont des actionnaires de la compagnie, c'est les propriétaires de l'ensemble des actifs municipaux. Mais c'est important de toujours ancrer sur la raison d'être. Vous allez voir, elle a évolué un petit peu. La vision, bien, c'est le portrait d'où ce qu'on veut aller. Comme organisation, comme communauté en particulier dans ce cas-ci. C'est une projection vers le futur. C'est quoi qu'on vise? Les valeurs, c'est pas tellement compliqué. C'est associé à qui on est. Ça définit la culture dans laquelle on est. C'est tant du côté du conseil municipal que les employés qui représentent l'ensemble. Les valeurs, c'est un portrait de qui on est puis comment on veut se projeter. Les démarches. Je vais avancer la présentation, M. le maire, les membres du conseil, les démarches qu'on menait à ce qu'on vous propose ce soir. Puis, le conseil municipal a été assermenté en juin l'année dernière, une fois que la période d'orientation a été faite. En août, l'exercice de renouvellement du plan stratégique a commencé. On a eu des premières rencontres dans lesquelles on s'est questionné sur les anciens plans stratégiques, à quoi ça ressemblait. Mais on s'est aussi, puis le conseil municipal s'est aussi questionné sur l'identification des enjeux communautaires. On a abordé des sujets, par exemple, comme la croissance démographique, qui est liée à des défis pour nos entrepreneurs d'avoir accès à la main-d'œuvre. Ça, c'est pas parce que c'est un problème, c'est un enjeu. Puis, ces enjeux-là ont été identifiés par le conseil municipal pour orienter vers l'identification des objectifs qu'on devrait atteindre. On a aussi parlé, le conseil municipal a identifié des items comme l'accès à du logement abordable, de qualité, mais aussi du logement accessible aux familles. Ça a été des éléments de discussion qui vont orienter vers quelle sorte d'objectifs qu'on veut s'établir. Mais l'accès à des logements abordables puis accessible à la famille, ça a été des enjeux qui ont été mentionnés. Je peux vous en nommer plusieurs autres. On parle de transport en commun, puis on parle de d'autres éléments. Mais à la première rencontre que le conseil municipal a eu, il a aussi été question de s'établir des objectifs dans lesquels on peut mesurer. C'est comment qu'on veut atteindre l'objectif? C'est quoi qu'on veut mesurer si on l'a atteint ou pas? Ça, c'est les éléments de base que le conseil municipal a établi, c'est-à-dire si on se fixe des objectifs, il faut être capable de mesurer l'atteinte de ces objectifs-là. En septembre, puis là, si je me fie au tableau, là. En septembre, on a commencé l'exercice de la révision de la mission, de la vision, puis des valeurs. Vous vous souvenez, on a fait des exercices sur table pour voir si c'était toujours pertinent, basé sur les enjeux qui avaient été identifiés avant. Puis, je vais vous revenir pour les présenter tantôt. À la fin de l'automne, on est revenu pour parler à nouveau des éléments mesurables. Par exemple, on parle de qualité des services qu'on offre. On mesure ça comment? C'est quoi qu'on se sert? Puis on mesure quoi quand on parle de qualité de service? Fait qu'on est revenu, parce que l'exercice est important de parler des éléments de mesure, parce que c'est ce qui a dirigé l'attention du conseil municipal vers l'identification des objectifs stratégiques. Ça ne donne rien de se donner un target si on n'est pas capable de dire à l'avance c'est quoi qu'on veut mesurer, si on l'atteint ou pas. Fait que l'exercice de l'automne dernier a été de parler de nouveau sur les éléments mesurables puis d'identifier de cet exercice-là les 9 objectifs stratégiques, les targets.
vers le début de l'hiver, on a commencé à parler, c'est beau s'établir des targets, c'est beau s'établir des grands objectifs. C'est quoi les moyens, c'est quoi les plans d'action qu'on met en place pour atteindre ces éléments-là? Puis les exercices qui ont été faits par le Conseil à ce moment-là ont résulté à l'identification d'à peu près 126 initiatives différentes. 122 ou 126, là, de mémoire, là, je me souviens pas, mais je pense que c'est au moins 122, puis c'est probablement 126, puis il y en a probablement 500 dans votre tête, là. Mais c'est correct. Mais ça a été fait. Puis après ça, bien, il a fallu commencer à regarder comment qu'on intègre ça aussi. Comment que ça se fait? C'est beau avoir 126 plans d'action séparés. Comment qu'on les réalise? Plan stratégique sur une durée de 4 ans, c'est correct. Mais on reste juste qu'il y a 9 membres du conseil, puis il y a tant d'employés de l'organisation. On peut pas travailler sur 200 initiatives en même temps. Fait qu'on a commencé à travailler sur des matrices de priorisation. Puis je vais vous donner des exemples tantôt. C'est comment qu'on, quel qu'on veut attaquer en premier qui va avoir un plus grand impact. Puis comment on mesure cet impact-là, puis comment que ça l'enchaîne par la suite. On a déterminé des initiatives prioritaires, puis des initiatives qui étaient en cours aussi. Vous allez voir, je vais vous en présenter des exemples tantôt. Puis les derniers ateliers qui ont été faits avec le conseil municipal, on a commencé à mobiliser les employés autour de ça pour parler, bien, c'est tout correct de se faire des plans d'action, c'est tout correct de s'identifier des grands targets, puis essayer de les mesurer, mais on va rendre des comptes comment? C'est quoi qu'on va rendre? C'est comment on va rendre des comptes vers les citoyens, les partenaires du côté de nos de partenaires économiques, nos partenaires communautaires sur le terrain qui livrent des services qui sont associés à la municipalité? Comment on va rendre des comptes à ces gens-là? Bien, c'est par l'identification d'indicateurs de performance puis des tableaux de bord. Des tableaux de bord sur le plan organisationnel, c'est-à-dire que sur les objectifs stratégiques que le conseil municipal veut prioriser, on va parler des 9 tantôt. Bien, on va mesurer ça comment, puis à quelle fréquence, par exemple. Puis comment on va rendre ça disponible vers les citoyens? Parce qu'il faut aussi rendre des comptes aux citoyens à travers de ça. C'est beau, c'est établir des grands objectifs, mais est-ce qu'on évalue si l'objectif est toujours pertinent? Est-ce qu'on évalue si l'action qui a été posée a rencontré le résultat escompté? Bien, pour faire ça, il faut rendre des comptes. Puis la façon qu'on veut rendre des comptes, c'est à travers des tableaux de bord, tant du côté de l'organisation qui va se refléter sur les objectifs du plan stratégique puis les initiatives, que des tableaux de bord de service, dans lesquels on va inclure des indicateurs pour mesurer l'évaluation de la performance des services dans la livraison des services normaux. Il y a plusieurs autres communautés qui s'en viennent avec ça de façon plus active. C'est un portrait en temps réel de la municipalité, de ton appareil, tant du côté de la planification stratégique que tes opérations. Fait que cette partie-là est importante, puis ça, on est dans la partie implantation. On vous dit pas à soir comment que ça se fait. On est encore en train de se creuser la tête pour voir comment on va le sortir. Mais on s'attend qu'en début d'automne, on va commencer à livrer les premiers tableaux de bord pour que les gens aient des indications sur comment on s'évalue avec un cycle de révision de façon régulière. Fait que dans cette partie ici, dans les derniers éléments qu'on a fait avec le conseil municipal, on vous a parlé d'indicateurs, mais on vous a parlé aussi de comment on allait rendre des comptes aux citoyens. Dans ce qu'on propose au conseil municipal, dans les grands morceaux que je vous ai parlé tantôt, c'était de faire l'adoption, la validation du conseil municipal de la mission de l'organisation. Dans son plan stratégique, c'est quoi la mission qu'on veut se donner? On parle du plan stratégique 2022-2026. On parle de fournir des services efficaces et équitables. On parle d'accueillir les différences pour rendre notre ville plus vivante. Encourager les citoyens à engager les citoyens en encourageant l'innovation, puis promouvoir la croissance et la réussite économique, sociale et culturelle, tout en respectant la capacité de nos ressources. Quand on parle de mission, la raison d'être de la municipalité, c'est de s'offrir des services, c'est d'être accueillant pour nos citoyens, de reconnaître les différences, c'est d'engager les gens. Puis vous avez vu dans les dernières années des exemples d'engagement de citoyens qui sont venus solliciter de l'intérêt de la ville pour appuyer le développement d'un projet, mais qui est monté des citoyens, qui a été monté par les gens. Vous avez vu l'exemple le mois dernier ou le mois précédent du Skate Plaza. Des jeunes qui sont venus rencontrer le conseil municipal 7, 8, 10 ans passés pour dire qu'il y avait une idée puis qu'ils l'apportent à un moment d'aboutissement. Bien, ça, c'est de l'engagement pur, puis il faut encourager cette partie-là. Puis après ça, bien, il faut promouvoir la croissance puis la réussite, tant du côté économique que du mieux-être, puis du côté social puis culturel. La vision de la ville, on parle d'être une ville ouverte et inclusive,
durable et prospère. La différence avec la dernière version, on était une ville ouverte, on se projetait être une ville ouverte, durable et prospère. Dans ce cas-ci, le conseil municipal a cru bon d'inclure un élément d'inclusion. Puis ça, ça a rapport à les objectifs de croissance démographique, mais aussi le portrait de la communauté, puis qui qu'on est. Puis si on prend deux minutes pour se regarder, il y a davantage de gens qui proviennent de d'autres régions du monde, qui viennent habiter notre région, occuper nos emplois, faire partie de la communauté. Bien, il faut que les gens se sentent inclus à travers ça. C'est important du côté de la vision que le conseil municipal nous a dit, d'être une ville ouverte, inclusive, durable et prospère. Les valeurs n'ont pas changé de la dernière version. L'exercice que le conseil municipal a fait a jugé que la partie qu'il faut être engagé, il faut être créatif, il faut promouvoir l'intégrité, l'équité, la responsabilité puis la fierté, c'est toujours pertinent. Fait que ça, c'est le reflet de qui qu'on est à travers l'organisation. C'est les valeurs qu'il faut que les employés projettent, que le conseil municipal projette dans la façon qu'on gère les dossiers, la façon qu'on gère les services. C'est ce qu'on demande à nos gens. Mais les objectifs, les targets qu'on se donne, dans la partie d'être une ville ouverte et inclusive, on parle de stimuler et soutenir la croissance démographique pour devenir une ville qui est une destination de choix. Si on veut que nos employeurs continuent à être des moteurs économiques pour notre communauté, bien, il faut que les gens aient accès à de la ressource humaine en premier lieu. Bien, il faut que la communauté, puis il faut que la municipalité joue un rôle pour s'assurer que nos moteurs économiques aient accès à de la main-d'œuvre, mais aussi pour occuper les places dans les écoles puis dans nos maisons d'enseignement. Ça fait que de stimuler et soutenir la croissance démographique, je pense que c'est pas juste une tendance à Edmonton, c'est une tendance à l'heure partout, mais c'est doublement important chez nous, puis on le voit dans tous les jours comment ça commence à être un enjeu. Enrichir la vie citoyenne, comment que les gens se sentent chez eux. Puis ça, c'est pas juste une question du sentiment de sécurité, là. C'est une question de savoir, est-ce que les services qu'on leur offre comblent les besoins qu'ils ont? Est-ce que les gens se sentent bien, se sentent en sécurité, mais aussi qu'ils se sentent épanouis? Est-ce qu'on offre une variété sur la programmation culturelle? Est-ce qu'on offre des installations sportives, des installations récréatives communautaires? Faciliter l'accessibilité et la disponibilité de l'information. Il faut jouer un plus grand rôle comme organisation pour rendre davantage des comptes aux citoyens puis d'être encore plus à livre ouvert. La loi sur l'accès à l'information s'applique à la ville, puis c'est pas ça une question d'enjeu. C'est que si on veut que les gens participent davantage à la vie citoyenne, il faut qu'ils aient accès à davantage d'informations sur le processus du conseil municipal, sur les prises de décision, sur comment ça s'en va au niveau du développement. Bien, il y a un enjeu qui est là, c'est un objectif qui est de rendre encore plus disponible l'accès à l'information. Puis qui enchaîne avec la partie de maximiser l'engagement. C'est-à-dire que d'aller chercher davantage l'input puis la participation des citoyens dans le processus décisionnel, dans la façon qu'on développe nos programmes puis dans nos investissements, bien, il faut trouver une façon d'engager davantage les gens. C'est plus les mêmes moyens qu'il faut servir pour s'assurer que l'information se rende, mais dans les deux sens. La première, en haut, de faciliter l'accès à l'information, c'est que tu donnes l'information. L'autre, la partie engagement, c'est ce que tu reçois des citoyens. Comment que les gens t'apportent de l'information puis du input. Dans la partie de développement, de l'aspect durable et prospère, on parle de stimuler et soutenir le développement économique. Celle-là, je ne pense pas qu'on avancerait tellement comme communauté si on ne se met pas des objectifs de créer des opportunités de développement économique. Mais on parle aussi comme organisation de solidifier, d'augmenter puis de diversifier les sources de revenus. On a parlé tantôt parce qu'on est dans un monde qui révolue au niveau de la gouvernance, mais il faut aussi voir comment on finance les services qu'on veut offrir aux citoyens. Améliorer nos conditions environnementales de façon durable. Je ne peux pas voir qu'une organisation comme la nôtre, dans laquelle qui se développe avec un centre industriel très fort au centre, ne pourrait pas avoir des enjeux au niveau de l'aspect environnemental, la qualité de l'eau qu'on livre à nos citoyens. Tout l'aspect environnemental, mais de façon durable, c'est un enjeu qui est central à la qualité de vie des citoyens. Optimiser l'efficacité dans la livraison des services. Après ça, bien, gérer nos actifs de façon durable. Je vous disais tantôt, une ville, ça existe pour s'offrir des services, c'est les citoyens qui l'appartiennent, mais en retour, c'est pas juste
c'est pas juste d'ouvrir des chemins là, qui est important, c'est d'avoir les bons équipements qui rouvrent les chemins, qui sont bien entretenus. Puis pour faire ça, il faut se projeter dans le futur pour savoir, ben, est-ce qu'on a assez d'argent aujourd'hui pour entretenir les actifs qu'on a, mais qu'on veut avoir pour les 20-30 prochaines années. Fait que ça, c'est au niveau des objectifs que le conseil municipal veut travailler dessus sur la durée de son mandat. De ça va découler des plans d'action plus, des plans d'action plus concrets. Fait que l'exercice que je vous ai mentionné tantôt qui a été fait au niveau de l'identification des initiatives, je vous ai dit qu'il s'est développé 122 ou 126 idées d'initiatives qu'on va rapporter sur une carte stratégique qui est un plan de travail sur une année, dans lequel, si on la divise en trimestre, par exemple, ben, il va y avoir des initiatives qu'on va travailler, que les employés, que le conseil municipal va travailler dessus pendant la prochaine année, puis les prochaines années qui vont se défiler par la suite. Mais, par exemple, si on parle d'initiatives en cours puis d'initiatives prioritaires, si on parle de stimuler et soutenir la croissance démographique pour devenir une destination de choix, bien, parmi les initiatives qui étaient déjà en cours, j'ai parlé de l'accès à des logements qui était un enjeu. Bien, il y a déjà une étude qui se réalise présentement sur c'est quoi le portrait des logements à Edmundston. C'est quoi qui est accessible, c'est quoi la qualité, c'est quoi les prix, c'est à quel espace qu'ils sont, dans quels endroits qu'ils sont, à quels endroits qu'ils devraient être. Ça, c'est déjà en travail présentement. L'autre exemple, par exemple, enrichir la vie citoyenne parmi les initiatives prioritaires, parce que quand on parle de la vie citoyenne, je parlais du sentiment de sécurité, bien, dans les éléments prioritaires, c'est de mesurer puis de cibler les types d'interventions que la force policière peut faire par rapport à certains crimes qui sont répertoriés, par exemple. Si on regarde au niveau de maximiser l'engagement du public, on parlait de définir, en termes d'initiatives prioritaires, définir et catégoriser les types de consultations qu'on veut avec des seuils ou avec des cibles de participation pour les consultations. Mais parmi les initiatives en cours, bien, il y avait déjà de proposer une structure permettant aux citoyens de décider puis de gérer un projet communautaire. Quelques mois passés, le conseil municipal a lancé l'initiative d'un budget participatif. Vous allez voir au cours des prochaines heures, j'assume, prochains jours, la suite de ce que les citoyens vont avoir à décider sur les projets que les citoyens ont proposés. Fait que ça, c'est déjà en cours, c'est déjà commencé. Fait que pour chacun des 9 objectifs stratégiques, il y a déjà une série d'initiatives prioritaires qui ont été ciblées, puis une série d'initiatives qui sont déjà en cours, qui sont déjà entamées. Fait que du travail sur la planification, c'est pas pour dans 4 ans, là, c'est vraiment tout de suite. Fait que ce qu'on propose, M. le maire, c'est que le conseil municipal adopte publiquement les grands éléments de sa planification stratégique, c'est-à-dire la mission, la vision, les valeurs et les 9 objectifs stratégiques. Par la suite, on va venir au niveau de déploiement pour les suivis et les plans de travail. Merci pour la présentation, M. Michaud. Alors, avec toute l'information que vous nous avez présentée, j'accepterai une proposition pour, cette fois-ci, accepter le plan stratégique pour les 4 prochaines années. Donc, j'accepterai une proposition en ce moment ici. J'aimerais faire la proposition, M. le maire. Conseillère Power, vous pouvez y aller. Je propose que le plan stratégique soit adopté tel qu'il a été présenté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseiller McGuire, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. À ce moment-ci, je lève l'embargo sur un communiqué de presse qui vient essentiellement donner les détails que M. Michaud vient tout juste de nous présenter. Donc, je fais grâce de la lecture. Les détails, M. Michaud vient de les donner. Alors, prochain point, information générale. La prochaine réunion ordinaire publique aura lieu le mardi 19 juin 2022 à 19h, ici même en la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville. Le résumé des dépenses encourues par les membres du conseil pour mai 2022 est présentement disponible, donc vous pouvez les consulter. Puis à ce moment-ci, je vais ouvrir le micro pour toute personne qui voudrait prendre la parole pour cette période de questions. Donc, n'en voyant aucune, j'accepterai à ce moment-ci une proposition pour la levée de l'Assemblée. Conseillère Landry-Nadeau, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée.